On est au troisième kilomètre. C'est une partie facile. On arrive en hauteur du village, c'est 630 mètres. Après, c'est une partie roulante juste derrière. Allez, Momo, accélère là. Mais je pense jusque-là, il n'y a pas de difficulté. Ceux qui font le 10 km ils peuvent partir à leur allure, mais ceux de 34 et le 20, ils devraient partir prudemment. La montée du calvaire, j'ai envie de dire, quel plaisir. Elle est facile, large, carrossable, on la grimpe facilement. Et quand on arrive en haut, quel plaisir. Et il suffit de regarder alentour, on est à plus de 650 mètres d'altitude. Magnifique, vivement à la suite. Voilà une côte abordable, large, régulière, c'est le plaisir de courir. Là, on est dans le plaisir de courir. Et ici, on est au point culminant. Un peu de brume aujourd'hui, sinon il y a une vue magnifique. Les trailers, normalement, ils vont partir prudents pour bien finir. C'est ce que je vais faire, moi, d'ailleurs. Ceux qui sont partis vite, ici, ils vont le payer. Là, c'est un endroit où c'est pas très stable. Il faut voir des chaussures qui accrochent, là. Ah oui, 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 oui. Des chaussures qui accrochent. Allez, Francis, lâche, lâche pas, lâche pas, lâche pas. Non, mais ça glisse, là. Lâche pas. Ça glisse beaucoup, il y a un petit ruisseau. Avec la fatigue, ça va être compliqué. Allez. Ouais, facile. J'ai encore fait le Pierre Richard, là. C'est une portion en coquine, ici. C'est-à-dire que ça serpente dans les bois. Et on descend le long d'un ruisseau. Là, ça devient bien glissant. Il faut faire travailler les quadrilles. Et ça glisse. Ensuite, on traverse le pont. Et là, attention, restez vigilant, il y a des ronces, il ne faut pas faire comme moi. Après, on aborde la descente sur un sol agréable, qui rebondit bien.